On va commencer par FTL. Ce sera très bien de commencer par le cassage de cul. Qui est FTL. Putain. Cassage de yonfle. Bon. Parce que mine de rien, la dernière fois on s'est fait avoir avec Benji. Donc là, il va falloir faire autre chose. On va voir la musique. Bonjour, FTL. Culture de FTL, bon. C'est parce que FTL a pas de son de base. Attendez. Ça n'a rien changé. Let's go. Ah non, ça n'a pas rien changé. Ah, bien mieux. Bien mieux. Ok, nouvelle partie. Alors aujourd'hui, on va repartir sur le Kestrel. J'ai encore plein de choses à faire sur le Kestrel. J'ai à gagner, j'ai à faire un arsenal, j'ai à faire une fédération unie pour avoir les autres layouts du Kestrel, parce qu'actuellement je n'ai que le Taurus et le rempart en autre. Le rempart, je vais attendre un petit peu avant de jouer. J'ai un petit peu envie d'attendre avant de jouer et je vais rejouer sur le Kestrel qu'on va rappeler l'Archangel. Très bien. On a Elisabeth. Oh oui, je sais ce que je vais faire. Oh oui, oh oui, Reforce de Weeb. Parce qu'il y a Elisabeth, c'est pour ça. Il y a Zula, cette capitaine. Merci. Il y a Elisabeth qui est là. Elisabeth. Qui c'est qui pourrait être avec eux? Il y a Kondo, il est là, on sait pas pourquoi. Référence à Gintama, évidemment. Et du coup, je vais l'appeler le Armstrong Canon. Ah putain, les rêves de Weeb. C'est Waza qui va être content. Ok. Très bien. On est bon, on est parti. Let's go. Déjà, on va enregistrer la position de l'équipage. Comme ça, on est bon. Ouais, c'est monte aux armes. Ah, c'est le détresse direct. Let's go. À votre arrivée, il demande du carburant. Bah ouais, pourquoi pas. On fait ça. Hein. Nous, on est sympa ici. Et il me donne une petite bombe. Alors, petite bombe, ça fait pas de dégâts. Mais ça fait des gros dégâts au système et à l'équipage. Donc c'est un moyen de défoncer l'équipage de l'intérieur. Ça va peut-être m'être utile en vrai. Rien de personnel, mais vous avez des formations qui vous intéressent. Non. Ok, voyons voir. Oh, ils ont une baie de clonage. Et ils ont un TP. On va un peu jouer de la petite bombe. On va faire surtout des dégâts au système, donc on va détruire leur armement. Ta mère. Oh non, Zula est en train d'attaquer! Zula! Zula de Wanaï, Katsulada. Ah oh. Mais wesh.
Reprends les manettes, s'il te plaît. Non, plus de bombes. Je vais détruire le pilotage. Personne au pilotage. Ok. Wesh! Non. So long. Bon, ça n'a pas fait ce que je voulais faire, hein, c'est pas grave. Très bien. Intéressant, la petite bombe. Alors, ça peut vraiment me carry à shield tombé. C'est mieux qu'un Artemis, ça fait pas de dégâts de coque. Mais après, j'ai un laser. Pour l'instant, on va rester sur ça. Tout le monde se passe, s'il vous plaît. Vous croisez un vaisseau rebelle ravitaillant des colonies civiles locales. Il ne s'agit sans doute pas de matériel militaire, mais c'est toujours ça de prix. Attendre pour voler la privose mode. Non. Ah, déjà attaqué le rebelle. Pourriture rebelle! Pas étonné. Il peut pas me faire de dégâts. Il peut pas me faire de dégâts. Let's go. Là, ça de mes cheveux. Berk. Il ne peut pas me faire de dégâts. Est-ce que je peux les esquiver, les tirs? Bah non, hein. Les shields ne peuvent pas être beaux. Ça s'esquive pas. En fait, j'ai rien à gagner à part lui péter le lionf. Si j'arrive à tuer l'équipage, c'est trop bien. Non? Dommage. Dommage, dommage. Dommage, fromage. Maintenant que le vaisseau rebelle est détruit, vous prenez le temps de récupérer le peu de ferraille qui reste. L'approvisionnement des civils ayant déjà été effectué, ok. Vous voulez l'approvisionnement ou les laisser tranquille? Je vais les laisser tranquille, hein. Possible. Vous demandez si d'autres rebelles aideront ces civils perdus au milieu de nulle part. Bah, quelques rebelles de moins valent bien la mort de milliers de colons. Bof, hein. Vous détectez un éclaireur rebelle, approchant dangereusement d'un petit avant-poste de ravitaillement. Ses armes sont chargées, mais il n'a pas encore le feu. J'interviens! Et ce clan ne cesse pas d'intimider par votre menace. J'ignore que vous êtes, mais la flotte rebelle ne laisse personne le défier. Oui, bah écoute. Écoute. Tes armes me font pas peur, mon gars. Missile.
Hop là! Depuis le missile. Is ok. Pour l'instant. Ok. Poète, 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 poète. Ok. Oh, le en poste me remercie. Merci pour le stuff. Un vaisseau non identifié gravement endommagé sous le feu d'un appareil pirate. Alors, pot de vin ou jouer l'héros. Jouer l'héros, bien évidemment. Détruisons piste de pilotage d'abord. Ils sont chill maintenant. Profitons du fait que le poste de pilotage est abîmé pour Armas. Ok. Accepter l'offre la plus généreuse. Je refuse en fait. Vous avez... Ah, je vais voir le vaisseau. Merci de votre aide. Je suis négociant en armes et je travaille dernière uniquement avec les rebelles. Mais étant donné les circonstances, je vais faire exception à la règle. Scanner longue portée. Oh. Et des gens. Oh. Scanner longue portée. Et recharge automatique. Oh. Je vais prendre le scanner longue portée. Je vais prendre les missiles. Je vais réparer un point. Et je vais vendre. Alors je vends l'Artemis ou la petite bombe. Est-ce que la petite bombe. L'avantage. L'avantage, c'est que c'est, je suis sûr de détruire des systèmes vides. Et la précision est meilleure. Hein. Une meilleure précision. Allez, je lui vends l'Artemis. Je lui vends l'Artemis. Est-ce que je prends le recharge automatique? Ou est-ce que je lui prends un membre d'équipage? Un rock ce serait bien parce que j'aurais une immunité aux flammes. Un mantis ce serait bien aussi. Yevonsi. Oh non, pas lui. C'est pas rien. On va prendre Swampson. Voilà, bonjour Swampson, bienvenue à bord. Il y a un vaisseau. Bon, let's go. Les Gong. Yes, à l'avant-poste. Voilà. Deux heavy laser. Pas un problème. Un problème quand même. Ok. Un peu facile. Oh merci pour le... Oh oui. Merci du coup de main. Let's go.
let's go, let's go, let's go. Elle est là. Oh, le missile. Oh, ça c'est non. Ça c'est un grand nom, ça. Esquivez, esquivez, esquivez. La Med-B. Oh, oh. Oh, pardon, attends, non, j'ai entendu le bruit de la coque qui s'est ouverte, ouais, voilà. Je m'en disais. Bon. Tranquille. Ah merde, pardon. Je suis un abruti. Très bien. Merci pour le missile. Bon, je suis désolé, j'ai pas. Boutique, on va faire ça d'abord alors. Système soit éteint. Télécharger tenter de télécharger les banques de données, récupérer toute la ferraille. Je récupère la ferraille. Banque de données, j'ai pas vraiment besoin. Boutique. Ok, il y a un laser rafale 1. Et il y a un étourdisseur ionique. Bon. Prendre ça. Et en vrai, c'est tout aussi bien qu'une petite bombe, voire mieux. Donc je vends la petite bombe. Yes. Ouais, c'est comme ça. On va améliorer l'esquive. Et il y avait une autre boutique. Bon. Pas grave. Pas grave, pas grave. Cette fois, c'est un vaisseau civil. Coupez tous les systèmes non vitaux et vous cachez. Attends. Nombreux vaisseaux civils susceptibles d'appartenir aux loyalistes de la Fédération. Attendez de s'inspecter. Les rebelles ne vous ont pas encore repéré. Attaquez et vous échappez. Ou coupez tous vos systèmes non vitaux et vous cachez. Non, on va attaquer et s'échapper. Attends, il peut pas me faire de mal. Il peut pas me faire de mal. C'est le moment du farm. J'ai presque envie de regarder un épisode d'animé. Très bien, continuez. On se tend. Oh, c'est pas le moment d'aller aux chiottes en vrai. Ouais, mais j'ai trop peur qu'il se barre en fait.
J'ai trop trop peur qu'en fait, tu sais, il active son système SPL et genre je l'ai dans l'os. Ce serait terrible. Je pense que je serais deg. Je pense que je serais... Ça arrive, je pense que je suis deg. Sais pas, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il va se barrer. Il l'aurait déjà fait sinon. Eh ben c'est quoi, vas-y. Je reviens. Vas-y, let's go.
On en est où? Ah! Ils sont presque tous à fond! Le grand one stream! Ouais. Donc ouais, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Je suis tombé sur un fight que je ne pouvais pas laisser passer. Je me suis dit, allions l'utile à l'agréable. Bon. Il est temps d'en finir. Vous êtes largement mieux armé que ce que j'imaginais. On se rend. C'est non. Ok. Merci pour ce farm. Yes.
Let's go. On a une sortie. À côté d'un soleil, donc non, on va aller là. Ah putain. Oui. Ouh, j'aime pas ce que t'as en termes d'équipement, mon gars. Oh, le s- oh. Aou! Mes armes! Mes armes! Non! Il mange ça. Esquiver, 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 esquiver! Oui! Magnifique! Au revoir! Mais bon. Les saucisses, c'est déjà barré. Ok, 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 ok. Très bien. 3 pièces de drone en échange de 12 pièces de ferraille et 6 pièces de drone. Ouais, bah vas-y. Je ne jouerai pas de drone pour l'instant. Secteur suivant. Nébuleuse ou nébuleuse? Nébuleuse, nébuleuse. Je pense qu'on va aller en nébuleuse. Je sais que c'est un choix un peu, voilà, un peu foufou, hein. Mais ouais. Scanner en portée. Oh oui! Vous repérez un vaisseau rebelle dans la nébuleuse droit devant et vous restez hors de portée de leur radar. Ça vous tente de l'attaquer? On va essayer de le poursuivre en manœuvrant. Dès qu'il vous repère, il tente de s'échapper. Vous poussez au maximum vos capteurs défaillants et parvenez à l'accrocher suffisamment longtemps dans aussi votre radar pour arriver à portée de tir. Let's go! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Alors attends, parce que. Attends quoi? Ok, l'oxygène. Il va me drainer mon oxygène. C'est chiant. Mais... mais encore une fois, il peut pas me... il peut pas me détruire. Ça veut dire. Bon. Sérieux ? Je m'en fous de ses armements. Non, je m'en fous de ça, moi je dis. Oh, la mère. Merci. C'est quoi ça? 3 d'essence, 11 de scrap. Allez vous faire foutre. Ouais, un peu plus de scrap. Parfait. Une boutique. Et ça, c'est quoi? Nébuleuse. Une tempête ionique. Ah, il y a une tempête ionique, là. Non, on va éviter la tempête ionique. On va éviter la tempête. Un peu de la merde. Bonjour. Ok, il y a rien ici. On va ignorer cette boutique. On l'attaque. Oh! Ok! Alors, c'est possiblement chiant. Oh, sérieux!
Essayez de s'enfuir. Bande de bâtards. Six d'essence et 14 de scrap. Je refuse. Vingt-trois de scrap. Bon, un cas d'essence cependant. Mais 23 de scrap. C'est reparti. Ah bah il y a une boutique juste là. Parfait. Allons à cette boutique. Oh un slug. Oh le laser lourde. Ça pompe tellement d'énergie, laser lourde, c'est pas rentable. Un slug. Bah go le slug en vrai. Hein. Go le slug. Oups. Mon pote le slag. Il s'appelle Maloney. Bonjour Maloney. Bienvenue dans l'équipage. Des marchands d'armes de contrebande. Ah bah. Allez. Casse-toi. Ok. Ok, 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 ok. Ah. Ok, ok, ok. D'accord. Ils sont que deux. Yes. Oh. Au. Au cas où. Aouh! Oh, l'oxygène! Non. Aouh! Ah, j'ai plus d'armes! Yes! J'ai un peu serré les fesses. Hein. Bon. Par en haut, par en bas, par en bas. Bah, c'est par en bas. Y'a un vaisseau. Ah, les mantis de ces morts. Tiens. Tiens donc. Ils ont pas de TP. Ah mais ce mantis sans TP. Tiens donc. Quelle drôle d'idée. Aouh, arrêtez de me taper mon oxygène. Au revoir. Merci pour les scraps. Un drone pour 9 scraps. Avec plaisir. Alors, un vaisseau de la Fédération sévèrement endommagé se cache dans la nébuleuse près de la balise. Il disparaît des nuages de gaz et poussière. Scanner l'emporté. Je le dirige davantage de puissance de locateur pour essayer de le suivre au radar. Ah. Et je récupère un Zoltan qui s'appelle Kremity. Kremity.
La Crimity. Merci les Zoltans. Toujours une joie de vous avoir parmi nous. Ouais, tempête ionique, donc non. Ouais. Ah, ici terrain de chasse sacré du clan Urgnat. Vous êtes, vous, être proie. Activation des boucliers. Très bien pour tout. Très bien pour vous, les gars. Écoutez, have fun, hein. Have fun, comme on dit dans le métier. Oh. Ah, vous avez plus d'armes. Ha ha. Au revoir. Bon, c'est facile. Merci pour les thunes. Pour le loot. Le loot. Tout loot, tout loot. Attaquer les pirates. Oui. Let's go. Ah, ils ont un TP. Yes. Yes. Allez, il vient de battre. Il semble pas vouloir se battre, il tente de fuir. Ok. Ok. Bah bon chance, les gars. Yay. Toi, va infirmer. Oula, j'ai eu un gros lag. Toi, va à l'infirmerie, s'il te plaît. Toi aussi. Allez, retour au point. Retour au poste. Retour au poste. Ok, c'est parti. Allons à la sortie. Pour l'instant, on est bien. Hein. On est très bien pour l'instant. Alors, chez les Zoltans ou chez les rebelles? Allez, chez les Zoltans. Allez, chez les Zoltans. Une boutique ici. Si je fais ça, ça peut être pas mal. Avant d'aller à la boutique. Ah, vous arrivez dans un secteur calme de l'espace Zoltan et tombez sur un vieux sage qui a réussi à maîtriser la puissance d'une faille spatiale. Ok, le docteur. Mais sans en avoir perdu la raison, choisissez votre destinée, vous ordonne-t-il. La routine, quoi. Les mantis, les limaces ou les rocailleux. What? Quoi? Choisissez votre destinée. Les mantis, les limaces ou les rocailleux? What? Je vais dire les mantis. Vous aimez les défis? Tant mieux! Un vortex se forme devant vos yeux et un vaisseau mantis à l'équipage enragé fonce sur vous. Ah. Ah. Ouch.
Ok. Yes. Oh! Dire ça. Mais punaise! On va réparer ça toi. Ok. Yes. Tu ne répareras pas ce bouclier. Au revoir! Vous pillez les pas du vaisseau et contactez le sage. Quand il voit que vous êtes sorti victorieux, le vieux Zoltan devient fou de rage. Les failles menacent de déchirer l'espace jusqu'à ce que le sage implose, ce qui projette de la ferraille et des débris venus de mondes distants vers vous. What? C'est quoi ça? Ah, je connaissais pas! Ah, je connaissais pas! Ah, c'était, ah, c'était trop bien! Trop marrant! Trop rigolo. Trop rigolo. Alors, une nébuleuse. Parti. Un essai de reconnaissance avec... avec MK2. Ok, il a double shield. Donc, on va éviter de lui laisser trop de possibilités de me casser la gueule. Il y a une bombe. Oh, on va être crevé. J'ai envie de... envie de moumou. Oui, bien. Ok. 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 Oh ta mère. Allez. Ouais, let's go. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci. Voilà, puis après on va à la boutique. Et là, on a de quoi se faire plaisir. Ah bon, y'a rien. Ok. Alors, la boutique. J'espère qu'il y a des bons trucs. Hein. Téléporteur, c'est non. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, d'accord, je peux pas vraiment augmenter le rythme de recharge des boucliers du vaisseau. Oh. 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 Oh, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Page 2, ils ont quoi? Ils ont des missiles. Ils ont des gens. Ils ont un rock. Like a rock. Ils ont Sem ou Andrew Fan. Je vais prendre Sem. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais réparer le vaisseau. Est-ce que je prends recharge rapide? Empêche les drones ennemis de défoncer mes cibles, que ce soit bof. Pas en besoin là. Batterie de secours, ça peut être intéressant. Contrôle mental. Parce que batterie de secours, ça peut être cool pour avoir un système optionnel, genre TP. Pas TP. Genre. Cloaking. Non, on va s'arrêter là. Et je vais améliorer mon vaisseau surtout. Il me faut plus de boucles de ça. Et je vais mettre ça. Voilà. On est bien comme ça. Comme ça, on a l'esquive à fond. À donf.
Zur. Ok, comme ça. On est bien. Ok, let's go. Allons en fond de la patrie. Allons par là. Désolé, temps. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Quoi? J'ai pas suivi. C'est passé quoi? Ils m'ont juste dit ok, c'est bon, passez. Il y avait un flac. Je suis un peu content en vrai. Oh, ah non, d'accord, c'est qu'ils m'ont donné les infos. Boutique celle de détresse. Je vais aller sur la détresse. Hein. On va faire ça. On va faire ça. Bonjour. Ouf. Oh, j'aime pas du tout ce que vous avez. Niveau hormones, je commence à être un peu faible. Ok. Ah, sa mère. Ok, d'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Je vois, je vois. Oh oui. Oh oui, bien ça. Bien ça. Bien ça. Ils ont feu. C'était un peu chaud. Six d'essence et 17 de scrap. Non. C'est non. Au revoir. 28 scrap. Ah, voilà qui est mieux. Alerte, tous les vous précipiter aux attaques. Ça va être les Zoltans. Ok, je vais aider les Zoltans. Oh, le missile Hermès. Oh, le missile Hermès. Ça va être compliqué, ça. Ça va être compliqué, ça, le missile Hermès. Oh, j'ai envie de crever de ce qui vient de se passer. Ah oui, bah yes, allez, skiff qu'il a. Oh, le gros missile. Non. Casser les couilles. Au revoir le Zoltan. C'est le 13.
Alors, un petit vaisseau civil vous survole dès que vous arrivez. Vous êtes prêt à vous battre en cas de besoin. Mais il vous informe juste qu'il n'y a plus de carburant SPL, ce qui l'empêche de réaliser le moindre saut. Vous leur donnez du carburant. Magnifique! Pour vous remercier, notre ingénieur pourrait essayer d'optimiser le rendement du réacteur de votre vaisseau. Merci. Merci, merci. Quel plaisir. Ça, quel plaisir. Un signal crypté de la Fédération est envoyé depuis une planète proche. Allez, on y va. Vous découvrez un avant-poste caché de la Fédération qui vous envoie aussi un message. Vite, un autre avant-poste à nous prévenir que les rebelles l'avaient découvert à l'attaquer. Martin requête au secteur suivant. Nice, 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 nice. La partie commence très très bien. Un truc à bord. Ok. Let's go. Parfait, parfait. Hop là. C'est parti. Yes. On saute. Vous reçoit un message en provenance du sens au proche. Un croiseur fédération occupé dans l'espace rebelle, au moins vous ne manquez pas de cran. Blablabla. Nice. Très bien. Putain, je me fais saucer là. Oh la vache. Et on va chez les NJ. Ah, la quête est là. On va pas y aller par quatre chemins, on va tisser la quête. À votre arrivée, une myriade de signaux d'alerte illumine votre écran. Un vaisseau pirate à proximité, équipé de modules de piratage, tente de couper vos moteurs. Fa! Ah oui, putain! D'accord, excuse-nous, excuse-nous. On va tout faire pour que tu meurs le plus vite possible. Attends quoi? Wait, what? Il a tout mis dans. Ok, ça commence très bien. Ok, t'as soigné toi? Ok. Ok. Très bien, très bien. Continue, continue. C'est le TP, le retour. Aou. Aou. Mais wesh. Bon, ils sont un peu relous, hein. Ils sont sous-poulés. Beaucoup trop d'esquives. Ok. Ok. Ow. Quand tu veux, va crever vaisseau, t'es marre. Je viens de rentrer, je suis claqué. Ah, bah j'imagine. Oh.
Ta mort. Ah oui. Chier. Oh vache. Aouh. Oh. Ok, ok, ok. Aou, aou. Oui. Ok. Un peu chiant, hein. Un peu chiant, hein. Vingt-deux scrap, merci, hein. Allez. Oh là là, il y a des batteries anti-vaisseaux au sol dans ce système. Oh, est-ce que c'est la fin? Peut-être. Il y a un ASB allié. Allié. Vous arrivez dans le secteur pour voir les soldats d'un avant-poste de fédération activer leurs batteries anti-aériennes et tirer sur un drone automatisé. Et si vous avez manqué le plus fort de la bataille, vous manœuvrez pour aider vos alliés. Oh oui, raté, merci. Oh bah, let's go. Hein. Vous voyez ce que vous savez pas. Vous contactez la... Vous contactez la station une fois le vaisseau rebelle détruit. Le seul survivant vous répond, cette base n'est plus sûre. Permettez-moi de vous rejoindre et je programmerai les drones de la station pour qu'ils réparent votre vaisseau. 50 scrap, coque réparée de 7 et un NJ. Et j'ai réussi à voir tous les persos. Et j'ai le cristal type B. Yes! Rentable. La rentabilité. C'était rentable de fou. Ok. Non. Il faudrait une boutique maintenant pour bien faire. Pour bien faire, il faudrait vraiment une boutique là. Oh. Oh non. En vrai. En vrai. Je pense à fight, je le fuis. Hein. Si je vois que ça pue, je le fuis le fight. Hein. Vraiment. Oh. Attendez une seconde. En vrai, ça va bien se passer. En vrai, ça va bien se passer. Les radars ils t'ont même pas foué à full repère, non j'avoue. Ils vous offrent une partie de leur cohésion. 22 scrap. Je n'accepte pas votre réendition. C'est un peu dans la sauce, hein. Hello. C'est un peu dans la sauce, non, les mecs là. Un petit peu, hein. Ah bah le Zoltan est mort, MDR. MDR. Selon. Merci, 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 merci. Une boutique! Allez, let's go! Let's go! Votre ferraille pour nous, nos armes pour vous. Ils ont que... Non, ils ont pas que dalle. Ils ont pas que dalle. Ils ont le camouflage! Le MF camouflage! Ça, let's go.
Allez, ça, c'est fait. Va te soigner, toi. Largement l'énergie disponible pour mettre dans le camouflage. Let's go, let's go, let's go. Oh ouais, oh ouais. Oh, le camouflage, ça fait bien plaise, là. Elle est où, Elisabeth? Alors, mon pote Zoltan, tu vas aller dans le camouflage. Voilà. C'est toi qui l'alimente. Voilà. Parfait. Bon, j'aurais bien aimé une arme, mais bon. Tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. Des pirates qui me demandent de payer un prix pour passer. J'ai envie de leur dire non. Mais ils ont un MK2. Un Pike et un Artemis. J'avoue, j'ai vu personne de porte. Je suis un abruti. J'avoue. Parce que j'ai pas eu besoin pour l'instant. Mais c'est vrai, je peux. J'ai pas envie de faire ce fight. J'ai pas envie de faire ce fight. Mais genre pas du tout. J'ai pas envie de prendre des dégâts gratuits là-dessus. Ils ont pas de TP. Ils ont pas de TP. Oh, j'ai juste pas envie de me faire casser Lyon. Ils ont deux shields. Donnez de l'argent dans ce jeu. Dommage, vous allez le regretter. J'espère que je vais pas le regretter parce que ça a l'air hyper vénère. Après, je dis ça. Yes. Allez, esquive, 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 esquive. Aïe, non, il a pas esquivé. Encore l'oxygène, qu'est-ce que je vais me saouler. Mais c'est dinguerie. Merci. Oh bah, amusez-vous avec les flammes. Bien sûr que c'est moi qui vais regretter. Ah, il veut se barrer. C'est un non. Merci. Merci. Oui, la boutique, j'ai déjà fait. Tac, tac, ouais. Non. Peut-être même ça. Un champ de bataille. Suspect. Oh. Ok, 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 monsieur. Excusez-nous. Excusez-nous, excusez-nous. Oh, encore un TP. Heh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 
Ah, ah, le camouflage. Quelle dinguerie. Avec ton charge à fond là. Oh, raté. Allez. On m'a refusé leur édition. Toujours. Les mecs, à moins que vous me donnez votre MK1, et encore, hein. Ha ! Au revoir. Bande de rebelles. Il y a pas longtemps, soit les montres se décident de monter en mieux, soit les ONG ont refusé de s'en aller paisiblement. Quelque soit, vous fouillez les débris pour récupérer ce que vous pouvez. 49 scrap, merci, au revoir. Un appel de détresse. J'arrive. Bah, j'ai ordonné le carburant. Magnifique. Pour vous remercier, notre ingénieur pourrait optimiser le rendement de votre réacteur. Oui. Vous croisez une colonie minière dans des astéroïdes qui vous connectent. Contact. Bientôt, bonjour, nous avons plus d'explosifs depuis que les rebelles leur donnaient 15 missiles. Oh, merci, cela va grandement nous aider. Voyons voir, que pourrons-nous vous offrir? Une recharge automatique. Attends. Recharge automatique. Le temps de recharge entre les tirs est réduit 10%. Oh, je me mets tellement bien. Forteresse rebelle. Forteresse rebelle. Daïum rentable. Oh, mais de fou. De fou, de fou. Allez. Signal de détresse, direct. Alors, attends. Avant d'avoir un signal de détresse, j'ai beaucoup de scrap. 100. Allez, parce que on s'en fout d'avoir masse d'énergie. 100, 125. Il me resterait 45. Le truc, c'est que si je tombe sur un shop avec des armes intéressantes, je serais content d'avoir 170. Non, on va pas améliorer les shields tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Messieurs les 13, vous suivez le contact, merci d'avoir répondu à notre appel. Notre système de navigation ne fonctionne plus, nous pouvons peu calculer votre cap pour rejoindre le prochain dépôt effectué. Pourrez-vous nous y conduire? Bien sûr. Tenez, prenez cette ferrière en guise d'avance, nous allons vous suivre en nous basant sur votre signal de saut, vous nous sauvez vraiment la vie. Très bien. Moi, ça me va. Vous repérez un petit vaisseau rebelle non loin. Remettez-nous notre cargaison. Et tente de fuir. Il y a 3 de shield, merde. Il peut pas faire de dégâts. Compliqué. Il va se casser. Il va se casser. Une terre. Dommage. Un signal crypté est envoyé. Oui. Ah, c'était un piège!
les bâtards. Me vient de me faire censure par mon pied. Ok. Tiens. Mon sultan. Non. Crémitine. Ah, oh, le traquenard que c'était. C'est quoi? Non, attends, on se casse. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je continue ici? Je me casse. Oh, puis leurs armes. Au revoir, où? Je me casse. Je peux pas. Merci, on vous a mis un réacteur. Ok, très bien. Et un de moins. Et deux de moins. Et trois de moins. So much high. J'ai plus de temps, c'est vrai. Oh. Ah, j'avais oublié mon NJ, tiens. Compliqué. Merde. Bon. Faudrait une boutique. Faudrait vraiment une boutique. Ah, colonie minière. Bon, vas-y, je te donne 5 missiles, j'ai plus que ça. Coq répare 9 points. Ah, cool. Ah, cool. Merci. Merci. À votre arrivée au niveau de la balise, vous vous trouvez dans un immense chantier naval rebelle. Le secteur regorge de drones de construction. Les planètes et lunes proches font l'objet d'une expansion intensive. Je regarde autour de moi. Des signaux d'alerte clignotent alors que vos scans identifient le gigantesque vaisseau en cours de construction. C'est un second vaisseau amiral rebelle. Il doit s'agir du chantier naval secret dans lequel le premier a été bâti et vous venez tout juste de le découvrir accidentellement. Bien qu'il ne soit pas encore totalement impérial, le vaisseau rebelle est en train d'allumer ses systèmes. Préparez-vous, vous allez devoir livrer le combat de votre vie.
Le fight est ultra rentable. Oui, 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 alors oui. Trop tard, j'ai fait? Sans doute. Sans doute. J'arrive pas à faire tomber les armes parce qu'il y a trop de shield. Oh putain. Ok. Oh putain. Ah ! Le système O2. C'est loose. C'est juste loose en fait. Il manque une arme. Faut me barrer. Je vais faire ça. Ouais, dommage, comme tu dis. Deux PV par contre, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué de survivre à la suite. Ça va être compliqué.
troisième shield pour survivre. Vous découvrez un vaisseau gravement endommagé, flottant parmi des débris. Son capitaine vous interpelle. Je n'arrive pas à croire que ce Sagwa ait envoyé quelqu'un pour nous chercher. J'ai bien cru que nous allions mourir de froid. Si vous venez nous aider à livrer notre cargaison, nous partagerons la récompense avec vous et rejoindrons votre équipage. Bah, aussi, c'est bon. Oui, il m'a promis de livrer. Ok. Il vous donne les coordonnées ou leur chose de livrer. Là, deux accès de votre position, vous débarque. Et vous débarquez les autres à une station de proximité. Yes. J'ai un rock en plus. Bon. Pas ça qui va me sauver la life, mais ouais. Vous trouvez la station qui avait commandé la cargaison. Lorsque vous l'avez chargée, vous répondez bien que vous avez épuisé au jour de temps. Nous vous remercions pour avoir livré ce matériel. Ok. Je me casse. De l'essence pour des drones? C'est non. Bon. Bon. Pour 3 missiles? Oh, avec plaisir. Merci. Une boutique! My life pour une boutique! Bah, putain, je suis con. Je vais à un endroit où il y a des. Non, ciao. Hein. Vous refusez d'aller reprendre votre vaisseau pour lui, mais vous lui proposez de le déposer à la prochaine station. Le Zoltan n'est pas content, mais il a dit qu'il y a quand même une base à proximité. Ok. Il faut une boutique! Vous semblez. Quelque chose au loin vous semble étrange à propos d'une lune que vous voyez au loin. Est-ce que la profondeur de la surface de la lune vous révèle un réseau de grottes? Un tas de ferraille, ok. Merci. Merde. Ce secteur est interdit de rester secret, sur celui à qui ses armes. C'est la fin, je le crains! Zut, trop tôt. Manquait de la puissance, hein. En fait, tout ce qui manquait, c'est les armes. Et j'ai vraiment eu zéro shop d'armes. C'est une catastrophe. Rip, machin. So long, hein, même, aujourd'hui. So long! Aïe. Ah, je vais pas quitter, je vais le hangar. Ah, mais j'en ai marre de mettre le pied là-dessus! Oh, pile de pistolet sur le câble. Ouais, so long, FTL, hein. Ah, ça faisait plaisir, hein. Toujours aussi, là, ouais, oui, wouh. T'aurais une grosse arme si t'avais battu le vaisseau. Mais je sais! Mais il me cassait la gueule! Bon. A plus, hein. A plus pour FTL, hein. La prochaine fois, hein. Allez, hein.